Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance puisque dans le cadre du 30e anniversaire du musée Yankelevitch à la Louvière, eh bien, une exposition qui vient de démarrer, une exposition consacrée à Aimé Mpané. Alors Aimé Mpané, ben, dites-nous un petit peu, qui êtes-vous ? Ben, moi, je me dis que je suis un artiste plasticien. Donc, j'ai fait mes études tout d'abord à Kinshasa, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, où j'ai fait la peinture monumentale. Et puis après, j'ai fait la peinture encore à la Cambre, où j'ai fait la peinture et recherche tridimensionnelle. Donc, je suis plutôt un artiste d'art visuel. J'ai travaillé beaucoup des objets en 3D. Au début, j'ai fait beaucoup de peinture et beaucoup, un tout petit peu de photos, de vidéos. Maintenant, c'est plutôt dans les installations où je me sens bien, des objets que j'ai fait à la main, tout fait à la main artisanalement. Nous sommes avec Aimé Mpané, artiste, sculpteur, qui nous vient du Congo. Alors, Aimé, votre style, votre titre, le titre de votre exposition, c'est « J'ai oublié de rêver ». Oui, en un mot, j'ai dit « J'ai oublié de rêver ». De rêver quoi ? C'est de rêver la paix, de rêver que tout soit stable. Puisqu'on a tellement rêvé d'avoir la stabilité, d'avoir l'unité au pays, puisque moi, j'ai vu beaucoup au Congo, l'unité entre nous, au Congo, que tout aille bien politiquement, à tel point qu'on ne rêve plus, qu'on a oublié de rêver. Ça ne sert à rien de rêver. Nous sommes avec Aimé Mpané, sculpteur, qui expose en ce moment au musée Yankelevitch. Je vous invite vraiment à découvrir cette exposition. Difficile de décrire toutes ses œuvres. Hein. Alors, techniquement, la matière que vous manipulez, c'est le bois. Oui. Techniquement, j'aime les bois, puisque avec les bois, pour moi, c'est une taille directe. Comme je vois des images, je vois ce que je vais représenter, je trouve qu'en le faisant en bois, je vais directement, c'est tout de suite, j'ai les résultats et je passe à autre chose. Sinon, le faire en bronze, en pierre, ou soit dans d'autres techniques, c'est trop intermédiaire, c'est trop indirect. La taille directe dans la matière, coller, rajouter, enlever, arriver au résultat, ça me paraît très direct et c'est... Je suis proche à ce que je vois, représenté à ce que j'ai dans la pensée. Nous sommes avec Aimé Mpané et c'est un artiste congolais qui vient ici exposer au musée Yankelevitch à l'occasion du 30e anniversaire du musée. C'est une exposition à découvrir jusqu'au 11 juin. Alors, il y a notamment une œuvre qui représente, on voit une peinture et on voit en fond le drapeau européen. Et puis ce drapeau, vous l'avez un petit peu trituré. Pourquoi ? On a l'impression que c'est une vierge qui est au milieu de ce drapeau et de cette peinture qui représente le drapeau européen. Comme mon travail a toujours cette interactivité entre le nord et le sud, je voulais créer un lien entre ces deux systèmes, ces deux cultures, ces deux continents. Je m'étais posé la question, pourquoi le drapeau a 12 étoiles? C'est en créant, puis je trouvais c'est intéressant que les designers étaient comme, c'était pas anodin, puisque ça me fait penser un peu à la Vierge, il y a 12 étoiles de la Vierge miraculeuse. Et puis, pas seulement ça, le bleu, pour moi, je trouve c'est la couleur qui vient des icônes. Et parce que dans l'icône russe, à l'époque, on utilisait les couleurs de fond comme or pour symboliser la divinité. Il y a un côté divin qui revient. Et puis, comme l'or devenait rare et cher, on a remplacé l'or par le bleu. C'est le bleu qui représentait le ciel, qui représentait Dieu. Alors je dis, tiens, mais j'aimerais faire ce drapeau-là, représenter les étoiles, ou que ce soit les étoiles, que ce soit des fleurs. Et les trucs que j'ai créés, ça fait penser un peu à la Vierge Marie, mais ce n'est pas vraiment la Vierge Marie. Ça peut dire beaucoup de choses à la fois. C'est en même temps qui me fait penser un peu à l'origine du monde, des courbés, que j'ai trouvé intéressant, puisque l'Europe, c'est quand même qui a mis au monde le Congo, ce qu'on appelle les Zaïre, ou soit même a donné le Congo. Et le Congo est né, le 1er août 1885 à Berlin, cela se trouve notre cordon ombilical qui est quand même important pour nous. Donc je dirais que c'est quand même incroyable de voir cette origine-là, cette naissance-là qui est en Europe et l'administration et tout. Et tout est découpé arbitrairement. On trouvera des tribus Hutu qui sont au Congo, qui sont de l'autre côté, les Bateke qui sont à Brazza, qui se retrouvent encore, qui sont les cousins, de découper n'importe comment. C'est juste trouver cette gestion-là, cette implication-là de l'Occident dans l'Afrique. Je trouvais quand même. Oui, je me dis pourquoi il y a ce pinet carré-là. C'est pour dire aussi qu'il y a d'autres parties de choses qui ne vont pas bien aussi en Europe. Hein. Il y a la justice qu'on essaie de mettre en place, mais ce n'est pas toujours évident. Comme la pacification, mais ce n'est pas toujours facile. Eh bien, nous étions avec Aimé Mpané, artiste sculpteur congolais qui expose ici au musée Yankelevitch. Belle exposition à découvrir jusqu'au 11 juin. C'est facile d'être sculpteur au Congo ?
Ah oui, c'est pas. C'est, non, non, au Congo, être sculpteur, ce n'est pas un problème. Tant que tu t'intéresses pas beaucoup à la politique, ça devient compliqué. Mais si tu fais comme un plasticien, ben, il n'y a pas de problème, ça ne cause aucun problème. On est bien accepté. On n'a pas de problème quand même avec tes œuvres? Non, moi, jusque-là, je n'ai pas eu de problème. Pas encore. Jusque-là, tout se passe bien, ben, mon travail est accepté. Il y a une censure? Dire une censure. Oui, moi, c'est vraiment de la poésie. Quand je fais mon travail, c'est très poétique. C'est très tellement simple que tu peux passer à côté. Si tu poses d'autres questions, alors tu retournes, tu vas créer d'autres choses. Alors les gens, souvent, n'ont pas le temps de créer en profondeur. Merci.